Salut Elliot. Alors aujourd'hui, si t'es ici, c'est pour répondre à la question qui revient probablement le plus dans tes commentaires YouTube, c'est quelle est la journée typique d'Elliot et Witt en semaine pour tout simplement trader sur les marchés? Donc mes journées commencent toujours à la même heure. Je me lève à 6h30. Généralement la veille, je demande à Alexa qu'elle me réveille avec de la musique classique. Donc à 6h30, ça sonne, musique classique. J'ai toutes les lumières de ma chambre qui s'allument en même temps aussi. Et je dors toujours avec les stores ouverts pour avoir la lumière naturelle. Il faut savoir qu'à Panama, le soleil se lève assez tôt. Maintenant, la première chose que je fais quand je me réveille, donc partout en ligne, tu vois, ouais, je touche pas mon téléphone pendant une heure, mindset. Bon, pour être honnête, c'est pas vraiment mon cas. Première chose que je fais quand je me réveille, c'est regarder mon téléphone. Personnellement, en fait, ça m'aide beaucoup à me lever parce que si je ne fais pas ça, parfois je peux être un petit peu fatigué, j'ai envie de me recoucher. Alors qu'en regardant mon téléphone, en fait, tout de suite, ça me pète les yeux avec la luminosité. Et puis en checkant mon téléphone au réveil, je regarde juste tout simplement les notifications que j'ai pu avoir pendant la nuit. Si j'ai raté quelque chose d'important, s'il y a un message auquel il faut que je réponde rapidement, ou quoi que ce soit. Après ça, évidemment, je me lève, je vais me faire le café du matin. Et là, je vais me poser sur mon balcon. On va dire que c'est un petit peu mon rituel du matin. J'apprécie la vue et je suis aussi sur mon téléphone. Donc là, généralement, je vais répondre à mes messages WhatsApp que j'ai pu recevoir pendant la nuit avec le décalage horaire. Je vais aussi tout de suite checker Slack, donc c'est là où j'ai la conversation avec tous les membres de ma formation, donc pour voir si s'est passé encore une fois quelque chose pendant la nuit ou quelque chose d'urgent, une question urgente ou quoi que ce soit. Donc comme tu vois, ma morning routine finalement elle est assez simple, ça me prend généralement 45 minutes pour être bien tranquille et je commence à travailler à partir de 7h15. Donc à ce moment-là, je vais tout de suite à mon bureau, il est 7h15. Et c'est là que les choses sérieuses commencent et c'est là que je commence ma session de trading. Et donc je suis là pour trader la session de New York. Et une chose à savoir, c'est que je peux faire différents types de travaux. Quand je trade, c'est vraiment focus et j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Je suis vraiment focus à 100%. Bon, alors là, il est 7h, je commence ma session. Donc généralement, je vais commencer par sélectionner tous les articles qui m'intéressent. Il faut savoir que je fais ça tous les jours, donc en fait, je sais ce qui se passe. Et donc, c'est juste une question de update et ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. Et donc, je vais sortir littéralement tous les onglets des articles qui m'intéressent. Et puis, je vais passer de manière générale après 30 minutes à tout lire, à prendre des notes, à voir ce qui est intéressant, important. Ça va me donner une idée globale justement de mon fondamental et tout ce qui est économique et géopolitique. Au passage, là, today, à 13h, heure de Panama, on a la décision, donc la réunion de la FOMC sur la décision des taux d'intérêt aux États-Unis. Pour moi, quand je calcule mes paramètres de risque par rapport au potentiel retour, le risque est clairement à la hausse parce qu'une baisse est carrément priced in. Donc personnellement, ça fait plus d'une semaine que je tiens des positions short sell sur les indices qui sont en profit très important. Mais du coup là, je compte les liquider avant cette réunion-là parce que comme je disais, pour moi, le risque est plus à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire qu'on pourrait voir une baisse soudaine, mais la baisse soudaine ne serait pas super importante. On pourrait aussi voir une hausse soudaine, sauf que cette hausse soudaine serait très importante. Okay, donc bon, je calcule les deux, ça vaut évidemment pas le coup de rester en position short sell. Donc là, je compte liquider toutes mes positions le matin avant la journée. Donc là, juste pour te montrer de manière un petit peu plus pratique la position que je viens de clôturer ce matin, je te montre l'autre position que j'ai en cours. Mais en gros, donc c'était un short sell sur le S&P 500 que j'ai pu exécuter avant la sortie du CPI data. Donc c'était la data sur l'inflation qu'il y avait il y a 2 semaines. Et en fait, l'idéologie était assez similaire à ce qui se passe aujourd'hui avec le FOMC. C'est-à-dire que pour moi, la raison pour laquelle j'ai liquidé mes positions aujourd'hui, c'est que pour moi, le risque est à la hausse. Et ben, au moment de la sortie de l'inflation, le risque était, lui, au contraire, à la baisse. Okay, donc, c'est-à-dire que si l'inflation sortait et que c'était une news positive, bah, ça allait peut-être faire monter le marché un petit peu, mais très peu. Alors que si la news sortait et était négative, ça allait faire chuter le marché, mais très fort. Okay, donc évidemment, si tu dois choisir une position, le risk-reward fait que tu as plus envie de potentiellement vendre. Donc bref, ça, donc comme tu peux voir, la position était bien partie. Dès qu'on a commencé à consolider, j'ai sorti 50% de mes positions ici. Tu peux voir, 50% close. Puis après, quand on a confirmé qu'on allait continuer à la baisse, j'ai pu prendre un add-in. Ce add-in que j'ai fermé lundi. Il faut savoir, aujourd'hui, on est mercredi. Je l'ai fermé lundi, le add-in, tout simplement parce que je m'attendais à un rebalance flow des indices qui, pour moi, était en train de pricer une hausse de 100 points pour les taux d'intérêt d'aujourd'hui, ce qui est finalement pas aussi probable qu'une hausse de 75 points. Donc ça, j'ai pu le clôturer pour 3 fois mon risque, le add-in, et les 50% de ma première position qui restait, comme je disais, je viens de les liquider ce matin, donc pour un total de 5,7 fois mon risque sur ma première position et 3 fois mon risque sur la deuxième, ce qui fait donc 8,7 fois mon risque juste avec ces 2 trades, ce qui donc va bien aider pour les performances du mois. Et sinon, la deuxième position que j'ai en cours, c'est un short sell sur Euroyen que j'ai pris hier. Pareil, raison fondamentale, très beau price action, très beau risk to reward. Et voilà, c'est la seule position que j'ai en cours pendant le FOMC. Donc, il n'y a pas de dollar, donc un petit peu moins volatile que, par exemple, dollar yen ou quoi que ce soit. Mais voilà, là, je vais m'apprêter à envoyer tous mes graphiques, toutes mes recherches graphiques et ce qui m'intéresse à vendre et acheter. Il faut savoir que la raison pour laquelle je regarde tout au niveau fondamental, je lis tous les articles et je sais ce qui se passe, c'est parce que je sais ce qui va m'intéresser, je sais ce que je veux acheter, je sais ce que je veux vendre. Et après, j'ai juste à aller sur les graphiques, trouver le price action et puis en fait, trouver mes bons points d'entrée justement, où est-ce que je vais potentiellement exécuter, où est-ce que je peux mettre mes stops, où est-ce que je peux mettre mes targets, ma décision de direction, genre ce matin je veux acheter du dollar et je veux absolument vendre du dollar australien, cette décision-là vient du fondamental, vient de l'économie globale, des directions et des flux des marchés. Et puis le price action et les graphiques vont juste m'aider à trouver les bons prix d'entrée et les bons prix de sortie. Donc, je vais m'apprêter à faire ça et puis à tout envoyer dans le data analyse pro service. Donc ça, généralement, je vais trader de 7h15 du matin jusqu'à 9h30. Je vais commencer avec tout ce qui est analyse fondamentale. Donc, je vais passer beaucoup de temps à lire beaucoup d'articles. Il y a beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, beaucoup de prises de notes. Une fois que j'ai toutes mes idées économiques, géopolitiques, fondamentales, je vais aller sur les graphiques en ayant déjà une idée de ce qui m'intéresse à acheter, de ce qui m'intéresse à vendre. Et c'est à ce moment-là que je vais aller faire de l'analyse plus de price action, des flux monétaires pour aller trouver des opportunités, trouver des exécutions, des points d'entrée, des points de sortie. Maintenant, pendant que je fais tout ça, je vais aussi envoyer toutes mes recherches, toutes les notes sur l'analyse fondamentale, tout ce qui est économique, géopolitique, ce qui se passe dans le monde. Je vais envoyer tout ça dans le Data Analyst Pro Service. Donc ma session de trading du matin dure généralement 2h, 2h30. Et une fois que je la finis, je m'assure que tous mes ordres sont bien placés si j'en ai, toutes mes alertes. Ou alors si j'ai des positions en cours, je m'assure que tous les chiffres soient bons et qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc généralement, quand je termine ma session de trading, il est 9h30 du matin. Et puis généralement, je vais peut-être descendre en bas de ma tour, aller prendre un petit déjeuner. Et donc par exemple, c'est quand je suis en train de prendre mon petit déjeuner que je vais checker tous mes mails sur l'iPad. Je vais aussi répondre à tous les messages sur Slack, donc tous les membres de la formation, pour pouvoir assister, le fait qu'il y ait un vrai suivi, etc. Donc généralement, je fais soit ça en bas au restaurant avec un petit déjeuner, ou alors ça peut très bien aussi être autour de la piscine s'il fait beau. Voilà, on va dire que j'ai pas vraiment de routine daily qui est super établie. Personnellement, parce que pour moi ça ne marche pas de ouf, parce que j'ai tendance à me lasser et on en parlera à la fin de ma journée, mais à la fin de chaque journée je prépare vraiment ma journée suivante pour avoir une routine qui est en fait différente et suivant en fait mon humeur. Donc ma première session de travail, généralement c'est entre 10h45 et 12h30. Ce que je fais pendant cette première session de travail va varier en fait complètement de jour en jour. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore ce que je fais, c'est parce que chaque jour est différent. Ça va aussi énormément dépendre de ce qui peut se passer au niveau économique. Donc si on a par exemple une annonce économique à 11h, je vais évidemment trader. Maintenant s'il n'y a rien de spécial, je vais plutôt faire du travail qui est à côté, si je peux appeler ça du travail, parce que c'est plus passion et c'est plus quelque chose que je fais de moi-même. Maintenant sur les coups de 12h40, c'est là où je commence à avoir faim, clairement. Donc, il faut savoir que je cuisine jamais. Soit j'ai une cuisinière qui me fait à manger pour le matin, le midi et le soir. Et donc, j'ai tous mes repas qui arrivent. Ou alors, si je ne suis pas trop dans l'humeur, je commande Uber Eats classique. Et j'ai la nourriture qui arrive. Et là, je mange devant mon bureau, devant mes écrans. Et je fais peu importe ce qui est à faire. Donc, parfois, ça peut juste être de la gestion de position. Parfois, je regarde des vidéos, parfois, je lis des articles. Comme je dis, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, après, je suis plus tranquille jusqu'à 14h avant que je commence ma deuxième session de travail, qui est généralement de 14h à 17h. Et là, encore une fois, tout va dépendre de ce que j'ai préparé pour cette journée-là. Si je te prends l'exemple d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire un nouveau module qui sera dans ma formation. En fait, je cherche toujours un moyen d'apporter plus de valeur ou voir ce que je peux faire qui est utile, on va dire, ce jour-là. Donc ça, c'est jusqu'à 17h. Et il faut savoir que pendant mes sessions de travail, donc la première et la deuxième, je suis beaucoup plus tranquille que pendant ma session de trading le matin. Comme je disais, ma session de trading le matin, c'est silence radio, pas de téléphone, il n'y a rien, je suis hyper focus. Deuxième session de travail, bon voilà, il y a de la musique en background, s'il y a quelqu'un chez moi, ça ne me dérange pas, un peu de téléphone au milieu, Voilà. C'est un petit peu plus chill, c'est un petit peu plus tranquille. Généralement sur les coups de 17h, j'ai donc fini ma deuxième session de travail. Et là, je vais juste un petit peu unwind pour la journée. Donc encore une fois, tout va dépendre de la journée. Donc je peux potentiellement aller boire un verre en bord de mer ou aller fumer une chicha avec des amis, un petit peu plus tranquille, même si j'ai toujours mon téléphone, je suis pas mal de temps sur mon téléphone, tout simplement parce que c'est de cette manière-là que je vais pouvoir gérer mes positions en cours en bourse. Faut savoir que j'ai toujours des alertes qui sont en place, donc on pourrait croire que je ne trade pas beaucoup parce que finalement, ça, de trading intensif, je dois avoir 2h30 et après de trading un petit peu plus tranquille dans la journée, je dois peut-être avoir 1 heure, aller à tout péter. Donc ça fait 3h30 de travail, ce qui n'est pas énorme. Mais après, j'ai toujours mes notifications au cas où il y a une alerte, au cas où il se passe quelque chose que j'attendais. Et je ne suis pas là à passer ma longueur de journée devant mes écrans à attendre que les choses arrivent. Généralement, c'est ce que les personnes un peu plus débutantes font. Mais avec l'expérience, tu apprends à te détacher des marchés, juste mettre des alertes et puis réagir à des niveaux clés et non pas à tout ce qui se passe. Puis sur les coups de 20h, généralement, c'est l'heure du dîner. Donc encore une fois, bon, il y a des restaurants en bas, on n'abuse pas trop, pas tout le temps. Alors maintenant, tous les jours de la semaine, quand je travaille et que je suis à la maison, je porte toujours l'Apple Watch, même si c'est une montre que je déteste. Alors la raison pour ça, c'est que tout simplement, en portant cette montre, ça me permet de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone parce que je peux quand même recevoir les notifications, toutes les alertes aussi TradingView. Donc ça me permet de ne rien manquer, mais de ne pas avoir la tentation de scroller sur Instagram ou d'aller voir YouTube ou Snapchat ou peu importe. Donc je vais toujours avoir l'Apple Watch sur moi, mais voilà, il faut savoir que c'est une montre que je déteste, que je trouve moche, je trouve ça très très moche. Donc avant de sortir de la maison, je ne sors jamais avec l'Apple Watch de manière générale, et je préfère donc enfiler une montre qui me fait plaisir, et puis de cette manière-là, je peux enfin sortir avec des copains ou dîner, peu importe. Et donc là, tout dépend, c'est soit dîner avec plusieurs amis, ou alors dîner date, grand classique, j'aime beaucoup. Maintenant, une fois que le dîner est passé et que je rentre à la maison, encore une fois, généralement, je passe par mon bureau pour faire un petit check de mes positions, petit check de mes alertes, voir si c'est rien passé sur les marchés. Ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Puis, je vais commencer ma routine du soir. Donc, ma routine du soir est bien plus établie que ma routine du matin. Alors, qu'est-ce que je fais le soir? Généralement, c'est là où j'ai mes 3 plus grosses habitudes. C'est d'ailleurs des habitudes que je traque avec une application pour être sûr que je le fais de manière régulière parce que c'est ces petites habitudes de manière régulière qui, au bout du compte, font des résultats importants. Et je sais que jour par jour, on dirait que ça ne change rien. Mais crois-moi qu'après des années, en fait, ça fait un énorme changement. C'est premièrement lire. Donc, je me fixe toujours un objectif de 10 minutes. Généralement, je lis bien plus que 10 minutes, mais c'est mon minimum parce que je sais qu'il y a certains jours, je ne vais pas avoir envie de lire ou alors je vais rentrer chez moi, il va être très tard ou quelque chose. Et j'ai pas envie d'avoir d'excuses. Donc si je me fixe 1 heure de lecture par jour et que je suis extrêmement fatigué, je sais que je vais juste pas lire. Alors que seulement lire 10 minutes, c'est toujours ça et ça te fait rentrer dans cette habitude-là. La deuxième habitude, c'est que je prépare toujours ma journée suivante. Donc comme je t'ai expliqué, la seule chose qui ne change pas dans mes journées, c'est mes sessions de trading. Mes sessions de trading sont là, restent, c'est ce que je fais tout le temps, ça ne bouge pas. Maintenant les choses qui changent, c'est ma première session de travail et ma deuxième. Là en fait, je vais les remplir de choses que je vais préparer le soir. Donc ça va pas forcément d'ailleurs être du travail, mais si j'ai un rendez-vous pour la voiture ou chez le dentiste ou peu importe, ça va rentrer dans ces catégories-là. Donc je prépare ma journée du lendemain en détail, heure par heure. Comme ça, le lendemain, j'ai pas à perdre du temps. Une fois que j'ai fini le petit déjeuner, j'ai pas à me dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Non, il y a littéralement tout qui est écrit. C'est une habitude qui m'a clairement changé ma vie. Et la troisième habitude que j'ai dans ma routine du soir, c'est de méditer. Donc généralement, c'est la dernière chose que je fais avant de me coucher. Généralement, quand on est plus fatigué, donc en fin de journée, nos vagues cérébrales sont plus lentes, ce qui nous permet de rentrer dans un état méditatif plus facilement que si on va par exemple méditer à 11h du matin ou 14h. Donc c'est généralement la dernière chose que je fais avant de me coucher, c'est de méditer. Encore une fois, comme pour la lecture, je me fixe 10 minutes de méditation au grand minimum. Donc très souvent, je médite bien plus. Mais encore une fois, si j'ai pas trop envie, je sais que le minimum, je peux juste passer 10 minutes. Et c'est vraiment pas la fin du monde. Et j'ai oublié de mentionner, mais avant ma session de méditation, c'est le moment où je check mon téléphone pour la dernière fois de la journée. Je m'assure que tout est OK, surtout au niveau de mes positions. Comme je t'ai dit, mais je double-check toujours tout. Parce que crois-moi, je sais que rajouter un 0, ça peut vraiment faire une énorme différence. Donc voilà, généralement, je m'assure que tout est bon. Mes stops sont en place parce que je sais que je vais être complètement off pendant la nuit. Je m'assure qu'il n'y ait pas d'annonce économique. Je m'assure que j'ai toujours géré mes positions et que je suis prêt pour que le réveil du lendemain j'ai jamais de surprise. Voilà, et à partir du moment où tout est ok, c'est là que je vais me mettre en mode avion, brancher mon téléphone et puis après dormir tranquillement et me réveiller le lendemain en demandant à Alexa de me réveiller à 6h30 avec de la musique classique. Alexa, éteins toutes les lumières. D'accord. Alexa, réveille-moi à 6h30 avec de la musique classique. Alarme programmée pour 6h30 demain avec Classical Focus sur Spotify. Ha ha ha!